Les jeunes ont prouvé qu'ils avaient envie, qu'ils étaient capables de changer le monde. J'ai créé Unicité, l'association pionnière du service civique des jeunes en France à 22 ans. J'ai aidé à la création de la chaire entrepreneuriat social de l'ESSEC. L'impact Tank est pour moi à la fois une innovation et une nécessité. Une innovation parce qu'à ma connaissance en France, voire en Europe, il n'y a aucun acteur de ce type. Une nécessité parce qu'il n'y a pas d'innovation sociale qui peut passer à l'échelle sans données scientifiques majeures et crédibles sur son impact, et c'est ce que va apporter l'Impact Tank. Unicité est née du constat qu'il manque à notre éducation en France une éducation à l'engagement citoyen et à la mixité. Donc Unicité a pour vision depuis toujours qu'il faudrait que tous les jeunes consacrent une année de leur vie à servir l'intérêt général avec d'autres. Unicité a pu inspirer le lancement d'une politique publique qui s'appelle le service civique, et c'est à ce titre qu'Unicité a innové, a été une innovation sociale qui a inspiré une des politiques publiques jeunesse les plus reconnues aujourd'hui en France. Unicité a expérimenté le service civique avec 24 jeunes il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, le service civique, ce sont 140 000 jeunes par an, avec un double impact. Un, sur leur insertion professionnelle, 82% sont en emploi ou en formation à la sortie. Deux, sur leur engagement citoyen, ils votent par exemple deux fois plus que les autres. Pendant la crise, les jeunes ont prouvé qu'ils avaient envie, qu'ils étaient capables de changer le monde. Il faut leur donner l'opportunité de pouvoir le faire, par exemple en développant encore plus massivement le service civique ou en leur permettant d'entreprendre pour l'intérêt général.